chef, hein, c'est Non, c'est bon, on va y aller. Hello, tout le monde. Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Tiens. Heureusement, parce que j'ai besoin de toi après. Par contre, je veux bien que tu passes les slides, si sans Ah, vouloir je peux aussi. Oui. Ouais, bienvenue. Bienvenue tout le monde. J'ai vu plein de nouvelles têtes, donc merci d'être là. Comme quoi, tous les jours, on a des. Enfin, à chaque meet-up, on a des nouvelles têtes, c'est cool. Donc aujourd'hui, on accueille Mathieu et Thomas. Je les laisserai se présenter après, comme d'habitude, sur le talk. On est encore au mois d'avril, donc on a le droit encore de manger des chocolats de Pâques. Profitez-en. Et donc, du coup, je veux bien que tu passes au slide d'après. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, on va filmer et photographier. Alors, par habitude, on photographie et on fait ça de la, du fond. Donc, vous n'apparaissez pas, mais si vous voulez vraiment pas, levez la main et comme ça, on s'arrangera pour vous prendre en ne pas vous prendre en photo. Et la partie film, de toute façon, c'est... Mathieu et Thomas, vous n'avez pas le choix. Ah, ok. On aura une collation après qui sera proposée. Qui veut rester manger une part de pizza que je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, merci à nos sponsors habituels, Abside, Ascensi, Emam, et toujours notre... sponsor mystère qui nous a fait un joli petit don. Et puis ce soir, Sopra qui nous permet d'avoir Matt et Thomas et qui sera aussi sponsor de la collation pizza que vous aurez après. Donc merci à Sopra. Et les deux sont pas liés, hein. C'est pas parce qu'on paye les pizzas qu'on. Non, 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 oui, c'est pas pour ça que vous êtes on là. On n'a pas acheté notre présence. Enfin, pas trop. Oui. Ah, tu vois là, donc tout ça, ça va être enregistré. Tu me fous en l'air tout mon truc. Oui, je t'en prie, vas-y. L'agenda, on a le Turon avec une soirée apéro. Je l'ai vu arriver. Je suis là. Il est là, le 14 mai. D'accord. Je te redonnerai la main juste après, de toute façon. Prochaine TEDx, 21 mai, David, qui va nous parler de ESQL, un nouveau truc que lance Elastic. En fait, il nous explique comment ils ont créé tout un nouveau langage autour de leur solution. Ça a l'air super. Elasticsearch et Kibana. Ok, ça a l'air super intéressant. Et puis, on finira la saison avec Philippe Morisseau. Je vous laisse lire le titre par vous-même. Et puis, nos copains de l'AFU pour une date le 20 juin, ils n'ont pas encore tout à fait les sujets. Je parlais du TCC. Tu veux dire un mot ce que vous faites et juste faire un petit feedback de du Startup Weekend? Ah oui, d'aller dans le temps. Bah okay. Ouais. Très bien. Très bien. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Péchon, je suis développeur. Ça fait un an et demi qu'on a lancé le Turon Computer Club, qui est un after-work mensuel où on réunit tous les passionnés d'informatique, tech, peu importe votre langage, votre appétence, votre niveau de compétence. On accepte évidemment tout le monde, même Cédric. Donc, vraiment, venez. On a des partenaires qui nous permettent de payer à boire et à manger. Donc voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà venus, on passe des bonnes soirées. Donc voilà, c'est tous les mois, ça se passe au Crafty, place de la Résistance. Vous êtes les bienvenus le 14 mai. On a fait ça après les ponts, puisque je sais qu'entre les vacances scolaires et les ponts, il y en a qui vont prendre des longs repos. Et puis Startup Weekend, ça a eu lieu donc, ce week-end. Ça a commencé vendredi soir, on a fini hier soir. Dimanche soir. Moi, je suis encore en descente parce que l'orga était assez intensive. On a eu la chance d'avoir Fanny en jury et Cédric en mentor aussi. Donc, merci encore à vous d'avoir donné de votre temps. C'était trop cool. Le Startup Weekend, c'est quoi? C'est un hackathon de 48 heures, du vendredi soir au dimanche soir. Vous montez une boîte, en fait. Vous passez d'une idée à un projet. Alors, si vous avez une idée de boîte, vous pouvez venir la pitcher. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Vous pouvez rejoindre une équipe et contribuer justement à l'évolution de ce projet. On fêtait les 10 ans du premier Startup Weekend de Tours qui avait lieu en mars 2014. Et donc, c'était très cool. On avait à peu près 200 personnes dans le public, partenaires, participants, tout confondu. Donc, vraiment, c'était trop cool. Je vous invite à la prochaine édition. Je vous donne la thématique aussi en avant-première, on va dire. C'est sur le numérique responsable. Donc, on aura une liste de conférences liées à ça, justement, des partenaires. Donc, si jamais vous avez envie d'être partenaire du Startup Weekend sur la thématique numérique responsable, on peut en discuter autour d'une part de pizza offert par Soprasteria, merci. D'ailleurs, Soprasteria, si vous voulez être partenaire du Startup Weekend. voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez-y vraiment, Startup Weekend, ne serait-ce qu'en participant. Moi, j'étais qu'en participant. C'était un chouette moment. Il y avait plein de gens. Ça fait du bien de voir des gens qui font un peu bouger la tech et l'industrie sur Tours.
Donc, n'hésitez pas à y aller. Mathieu. Donc, nous, rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc moi, je suis Stéphane. Fanny, elle vient de partir chercher à manger. Si vous avez des idées de talk ou si vous avez des désirs de talk, vous pouvez aussi nous soumettre ça par mail. On a un CFP. On fait aussi l'accompagnement aux Primo Speakers pour ceux qui, et celles qui veulent se lancer. Et puis, un petit clin d'œil à Roxane Chanpao qui nous a fait tout l'habillage graphique parce que nous, on ne sait pas faire. Et enfin, je vous passe la main pour une heure, une minute, deux heures, trois heures, quatre heures peut-être de talk. On verra. Nous n'avons pas du timing, donc quand vous en avez marre, vous le dites, et comme ça, on arrête. Juste pas, si vous avez des questions durant le talk, ouais, vous levez la main. Vous pouvez, il n'y aura pas de soucis. Attends, une petite équipe, c'est bon. C'est bon. C'est quoi, j'entends tout le monde, et puis c'est bon, allez-y. C'est tout bon. Eh bien, écoutez, merci d'être là, aussi nombreux. Donc, on va vous parler de Kubernetes et on va s'amuser à parler de cuisine un peu. Juste pour qu'on sache qui connaît Cube. Oui, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Juste pour qu'on sache qui utilise Cube, qui est expert Cube. Bon, ça va. Ça va. Parce qu'on a eu le cas à DevOps, il y avait un expert cube qui, bizarrement, il s'est fait un peu chier. Mais, donc là, c'est plus une introduction pour vous donner des trucs et astuces un peu pour gérer vos environnements sur cube, des choses que nous, on a pu mettre en place sur nos projets. Premier disclaimer, aucun, je suis fils unique, et c'est vrai, ce n'est pas mon frère, ni mon jumeau, ni aucun lien de parenté, quel qu'il soit, même s'il paraît qu'on se ressemble un petit peu. Donc, vu que j'ai la parole, donc Mathieu, je viens de Vichy, je travaille chez Soprasteria, comme vous l'aurez compris. Je suis alors, ce qu'on appelle Tech Advocate, je m'occupe de la communauté technique chez Soprasteria. Certains m'appellent le lanceur de paillettes, je ne citerai pas, Monsieur Charrière, s'il regarde le replay. En plus de travailler chez Sopra, je suis GitLab Hero, donc c'est quoi ? C'est quand on fait pas mal de choses autour du GitLab, vu que nous, on est un gros utilisateur de GitLab chez Sopra. J'ai fait pas mal de confs, d'articles sur le sujet, donc du coup, ils valorisent ça chez GitLab en nous appelant des héros et nous envoyant des goodies, donc c'est plutôt cool. Je suis ambassadeur de R2 DevOps, il y a des stickers pour ceux qui veulent, qui est une petite boîte de Montpellier qui fait des choses très intéressantes autour de la supply de la CI/CD, comment gérer un peu votre CI/CD un peu proprement. Donc si vous faites du GitLab et que vous avez des problèmes là-dessus, jetez un œil et puis au pire, on peut en rediscuter après si vous ne connaissez pas. Et pour finir, vu que je m'ennuyais, j'ai co-créé Volcamp, qui est une conférence IT qui se passe à Clermont-Ferrand en octobre. Donc le CFP est ouvert, les billets seront bientôt en vente. Si vous voulez à la fois découvrir les volcans d'Auvergne et voir une contexte sympa où on mange de la truffade et de la Ligo, pour vendre un peu le truc, vous pouvez venir. Voilà, et si le cœur vous en dit, vous pouvez me suivre sur Twitter/X, sur Blue Sky, et j'écris des articles depuis quelques temps, ça m'amuse, en particulier sur tout ce qu'on va vous présenter, j'ai fait des articles un peu détaillés de tout ce qu'on va vous parler, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et du coup, je passe la main à Thomas. Thomas, moi, ma bio, elle est moins longue, hein, je fais moins de trucs que Mathieu. Je travaille aussi chez Soprasteria. Bon, j'aimerais bien travailler chez Dell Shoulders pour avoir des goodies gratuits aussi, mais je ne suis toujours pas advocate, donc ça ne marche pas. Je bosse chez Soprasteria, je suis sur ce qu'on appelle nous la DEP, c'est notre plateforme pour les développeurs, tout ce qui est inner source. Donc en gros, c'est mettre à dispo des plateformes d'exécution, de CI/CD et pas mal de support auprès des différentes équipes. Et du coup, j'ai un passé d'archi et j'ai toujours aimé pas mal la partie infra. D'où l'idée du petit speech sur Cube. Voilà. Avant de commencer, on va tout de suite dire les merci. Merci à OVH, parce que toutes les démos qu'on va faire sont hébergées chez OVH. OVH Cloud. Donc si ça ne marche pas et vous connaissez quelqu'un qui bosse chez OVH Cloud, on aura à le voir, parce que voilà. Ça normalement, ça marche. un petit coucou à Goose et Slidesk. En fait, tous nos slides sont en mode web. Et on utilise Slidesk, qui est une solution qu'il est en train de créer. Donc, il est super réactif. Si vous avez des questions, si vous avez envie de faire vos slides plus en PPT, mais plutôt en mode web, essayez. Et puis, merci à Sopra, quand même, obligé. C'est eux qui nous permettent d'être là. Donc, vu que vous commencez tous sur Cube, on va faire quelques rappels pour qu'on remette un petit peu les gros mots de Cube, pour qu'on ne vous parle pas que chinois pendant les quelques minutes, heures qui viennent. Alors, du coup, Cube, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va parler soit de... On dit Cube, Kubernetes, K8S, c'est tout la même chose. Et en fait, ça va être un orchestrateur. Donc, le but d'un orchestrateur, ça va être quoi ? C'est que du coup, on a ce que je vais appeler des payloads.
Je vais avoir des programmes à faire tourner. Ces programmes-là, bah, je vais avoir envie de les mettre dans des petites boîtes qui s'appellent des conteneurs. Et ces conteneurs, bah, en fait, je vais les faire tourner sur une machine parce qu'on a beau parler du cloud, derrière, il y a toujours un peu des machines. Donc, en fait, je vais le faire tourner sur une machine. Et une machine, c'est bien, mais deux machines, c'est mieux. Comme ça, s'il y en a une qui tombe, bah, il y a l'autre qui redémarre. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que je rebascule mes processus qui étaient sur la machine qui vient de tomber sur l'autre, etc. Et bien, ça, c'est le job de Kubernetes. C'est de dire, bah, j'ai un environnement où je peux aller dire, je veux que tu me fasses tourner cette application-là. Et lui, il va essayer, dans la mesure du possible, bah, d'honorer cette demande. Donc, en fait, ça vient avec ce qu'on appelle des... donc, ça, un conteneur qui va tourner dans le langage Kubernetes, ça s'appelle un pod. Et ce pod-là, en fait, il va tourner sur des nœuds, parce que dans un cluster, il y a N nœuds, plusieurs nœuds, pour assurer la redondance, la charge et le scaling. Et pour déployer ces pods, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer ce qu'on appelle des déploiements. Les déploiements, en fait, ça va être juste une manière d'aller décrire la manière dont on veut que nos conteneurs s'exécutent. Est-ce que j'en veux un? Est-ce que j'en veux deux? Est-ce que c'est quoi les requêtes, le dimensionnement que je veux faire sur ces composants? Combien de RAM? Combien de CPU? Est-ce qu'il faut du disque, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler un déploiement. En gros, cet objet de déploiement, il va être là juste pour aller décrire, expliquer à notre orchestrateur Kubernetes comment exécuter notre application et comment la faire tenir en vie. Maintenant qu'on a nos petits pods, en fait, il y a Cube, ce que ça nous apporte aussi, c'est que ça va nous apporter un peu un descriptif de notre infrastructure aussi qu'on a autour. Parce que là, on a une appli qui tourne, c'est bien, mais c'est toujours mieux de pouvoir y accéder. Donc, en fait, on a deux notions en plus qui vont arriver, que sont les services et les ingresses. Les services, en fait, ça va être des load balancers. Je vous ai dit, on pouvait dire dans un déploiement, on va pouvoir dire par exemple qu'on veut 4 réplicas, donc on veut 4 instances du même pod, on veut qu'il soit répliqué 4 fois. Et bah, du coup, forcément, il faut un petit machin devant quand même pour router un coup à droite, un coup à gauche, et pour savoir qui est en vie ou qui ne l'est pas, qui est fatigué. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler les services. Donc, c'est une première couche, en fait, qui est là pour aller gérer du routage à l'intérieur même de notre cluster. Et puis, on a ce qu'on appelle les ingress. Ingress, il y a in dedans. Hein. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour aller attaquer notre service, justement, pour pouvoir aller topper nos applicatifs qui sont derrière. Et ben, on va passer à travers un ingress. Et en fait, c'est lui notre porte sur Internet / l'extérieur. Du coup, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer et qu'on va pouvoir accéder à nos pods. En vrai, en fait, c'est un reverse proxy et donc, en fait, c'est lui qui va aller être en frontal de l'extérieur et qui va pouvoir faire tout un tas de trucs. On va pouvoir gérer notre autant, on va pouvoir gérer des certificats, on va pouvoir gérer de la compression, etc., etc. Et donc, ça, c'est le rôle de l'ingress. En gros, les pods, par défaut, ils sont étanches, alors que personne ne peut les communiquer avec eux. Via le service, ils vont pouvoir communiquer au sein du cluster entre eux, mais pas avec l'extérieur. Et via l'ingress, on va ouvrir en gros une porte pour que l'extérieur puisse venir appeler nos API, nos IHM, etc. Et donc, il y a d'autres objets en fait dont on va parler là dans le talk, c'est les config maps et les secrets. Les config maps et les secrets, en fait, c'est juste la manière dont on va pouvoir aller décrire de la configuration pour aller pousser sur nos pods. Mon pod, il a besoin d'aller se connecter sur la base de données SQL qui est juste à côté. Donc, en fait, il y a quelque part, on va falloir que je lui spécifie le nom de l'utilisateur avec qui il doit utiliser pour aller se connecter. Et puis ça va dépendre de l'environnement. Donc, je n'ai pas envie de l'emballer dans mon application parce que c'est mieux qu'elle soit agnostique, en fait, et qu'on puisse lui injecter de la configuration. Donc, en fait, je vais utiliser des config maps. Et il y a le pendant qui s'appelle un secret. C'est juste que, du coup, c'est un objet un peu particulier. Il est chiffré. En base 64, donc c'est-à-dire que à l'œil nu, c'est un peu compliqué à avoir le mot de passe, mais disons que si on a un terminal sous la main, ça va assez vite pour l'avoir. Et du coup, en fait, les secrets sont des objets particuliers qui peuvent avoir leur propre cycle de vie, au même titre que les config maps, et qu'on va pouvoir les déployer à côté de nos conteneurs. Et en gros, ce qu'on va dire, c'est que notre déploiement, bah, c'est lui qui va dire, bah, tiens, je veux la config map production que je veux associer avec mon déploiement, mon pod API. Et puis du coup, quand je suis sur un autre env, bah, je prends le même pod, mais je lui associe la config map test ou dev, etc., etc. Donc mon pod reste le même,
le binaire que j'ai produit, l'image que j'ai produite reste la même, et je peux injecter une configuration qui est différente à chaque fois. Donc voilà, et après, je ne sais plus si on parle du... Il y en a un dernier qu'on peut dire, qu'on n'a pas mis là. Ah si, c'est le NS que j'ai oublié tout à l'heure en fait. C'est pour ça que tu es en écrit en entier. Le NS, du coup, c'est un namespace. On reste toujours dans la partie un peu plus réseau. En fait, un namespace, ça va être une petite boîte où en fait, les pods qui sont au sein d'un même namespace, ils peuvent se causer, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on va servir pour organiser. Et puis aussi, c'est l'équivalent d'un subnet ou d'un VLAN qui est dédié, c'est-à-dire que c'est étanche. Ça nous permet d'avoir du multi-tenant, c'est-à-dire que quand on va déployer nos pods qui sont dans le namespace de production, par exemple, sauf configuration particulière, ils seront incapables d'aller taper la base de données de mon application du namespace qui est en production. Donc du coup, c'est pour étanchéifier nos petites boîtes. Voilà. Donc ça, c'est une toute petite sous-partie de tous les objets qui existent dans Cube, hein, soyez clair. On va dire que c'est les objets ultra basiques que vous allez devoir utiliser si un jour vous faites du cube et vous commencez avec cube. Donc l'idée, eh ben, on va être au commencement. Donc on est dans notre cuisine, on a plein de conteneurs de partout, c'est un peu le bazar. Donc là, en gros, c'est notre cluster qui est tout vide. Donc on vous épargne la création du cluster, parce que ça prend entre 5 et 10 minutes. Donc, sauf si vous voulez que Fanny chante. Non, bon, j'aurais tenté. Est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est bon. Donc, ce que je peux faire, donc on va utiliser, vous allez avoir une commande qui s'appelle kubectl, qui est en gros la CLI pour causer avec un cluster cube. Oui. Un peu plus grand. Comme ça. Ah, après, trop grand, ça va être un peu compliqué. Ouais. Oui, non, j'ai cru que... Non, c'est bon. Fiche les nœuds, peut-être. Hein. Oui, on peut faire get nœud. Par exemple, donc pour voir que là, j'ai... un nœud, donc normalement on a plusieurs, mais là vu que c'est une démo et qu'OVH, je ne vois pas non plus. on troll un petit peu maintenant. on n'a qu'un nœud, je vois quelle version, quelle image d'OS est utilisée, etc. Donc si vous avez X, 10, 100 nœuds, vous pouvez les lister pour savoir un petit peu comment ils sont, vous avez leur état à chaque fois. Donc là on voit que tout est prêt. Et là on voit la notion entre une partie réseau aussi, où on voit l'IP interne, on voit qu'il a deux pattes en fait. Il a un côté en interne et un côté en externe. Pour le moment, il n'a rien en externe, on verra comment est-ce qu'on fait après. Voilà, je peux aussi lister tous mes namespaces, donc en gros tous mes répertoires. Donc ça, c'est ceux, à part external DNS qu'on a pré-créé, c'est tous ceux qui sont créés par défaut quand on crée un cube. Surtout quand on fait du cube managé. Faites du cube managé autant que faire se peut, hein, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix et qu'on vous met un fusil sur la tempe, parce que... ils vont vous gérer plein de trucs en termes de réseau, etc., qui sont bien compliqués, enfin, sauf si vous aimez ça. Moi, j'aime pas, donc je suis bien content de pouvoir faire clic, je veux un cluster, et j'ai tout le réseau qui va bien, et je peux m'en servir. Donc voilà, ouais, on a vraiment, pour l'instant, rien du tout sur notre cluster. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un premier déploiement. Donc comment on fait en cube, si on fait la commande qui s'appelle apply, et on lui donne en gros un fichier YAML en entrée, que je peux vous montrer comme ça, tac. En gros, c'est du YAML, donc on aime tous le YAML. Donc là, on voit que je vais faire un déploiement, donc ce que vous a expliqué Thomas. En gros, c'est on décrit notre application, comment on veut la déployer. Il y a tout un ensemble de labels qu'on va pouvoir positionner. Là, je lui dis, par exemple, le nombre de réplicas, c'est combien d'instances de cette application je veux. Là, pareil, on est en démo, donc une seule. Qu'est-ce qu'il y en a d'intéressant tout de suite? On va retrouver un petit peu notre... quand vous faites du Docker, j'imagine. Vous allez retrouver votre image Docker. Est-ce que vous lui passez des éléments au démarrage, etc. Mais c'est pas le bon truc, c'est pas le bon fichier que j'ai ouvert. T'aurais pu me dire quand même. C'est un fichier. Oui, mais qui est beaucoup trop compliqué pour tout de suite. Là, ça me plaît beaucoup mieux. Donc là, on va avoir un truc plus simple avec un réplica, une appli avec une image. Est-ce qu'elle expose ou pas des choses? Parce qu'on peut avoir très bien des pods qui sont, par exemple, des batchs, ça, ils n'ont pas besoin forcément d'exposer un port pour être exposé à l'extérieur. Je vais lui dire ben, évidemment qu'il a un service pour que je puisse communiquer avec lui. Donc là, je fais juste mon apply. Tac, tout s'est bien passé. Je peux aller voir du coup dans mon namespace démo. Tac, voilà. Donc là, il est en train de se créer. Donc on voit le statut. Donc quand il sera ready, c'est que tout se sera bien téléchargé. Tac, tac, tac. On va espérer que ça soit assez rapide. Mais le problème, c'est que là, ben, mon déploiement, OK. Donc voilà, il est dispo. Mais comment je peux y accéder? Comment je peux être sûr qu'il démarre bien? Actuellement, pour l'instant, on n'a rien de dispo. Donc, on a une commande qui s'appelle port forward dans cube. Attends, on va refaire pour que ça soit plus clair. Hop.
Voilà, port forward, où en gros, on va lui forcer un peu un espèce de proxy temporaire pour lui dire, OK, bah, je veux pouvoir accéder depuis mon poste local à mon cluster et voir si tout tourne bien. Donc là, c'est juste en gros un espèce de tunnel temporaire qu'on crée entre notre poste. Voilà. Et bien sûr, ça ne marche pas. On met un truc bizarre. Du coup, dans la commande, je vais meubler pendant ce temps. Ouais, dans la commande, là, ce qui est intéressant, c'est la fin en fait, de la ligne où on voit le 80.82.80. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller mapper le port 80.80 de ma machine. Donc là, c'est la première ligne qui est 127.0.0.1. Et ça, je vais le mapper sur le port 80 du pod en question. Donc en gros, ça fait que la mat, il va aller sur le port 80.80 de sa machine. Mais en vrai, ça nous... Incroyable. Well done. Je n'avais jamais entendu avec le son. ça change tout. Donc voilà, donc là, bon, je peux accéder à ce que j'ai déployé, mais on va dire quand même que si je veux mettre à dispo mon appli pour que des gens testent ou l'utilisent, ce n'est pas super pratique. Donc, si je retourne sur mes slides, la première étape, donc l'orchestrateur, ça on en a parlé. Les déploiements, on en a parlé, donc souvent on compare ça avec des Pokéballs. Un petit hommage à Madame Aurélie. Mais bon, il manque quand même pas de choses. Donc on va faire un premier chose, c'est qu'on va faire un reverse proxy. Donc on va mettre, nous on utilise souvent Ingress en Nginx. Donc vous en avez d'autres, hein, vous avez du Traffic, tout ça. Nous on aime bien celui-là parce qu'il est assez simple à utiliser. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on disait, une porte extérieure sur notre cluster. Donc, tac, 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 je fais un install. Donc là, on va utiliser Helm. Helm, c'est quoi? C'est du templating fichiers descriptifs Kubernetes. C'est vraiment, vous avez plein de choses à installer. Vous allez pouvoir les packager dans un Helm. C'est en gros un package de composants Kube qui va être versionné, tout ça. Et vous allez pouvoir installer facilement. Donc, l'avantage, c'est que la plupart des outils, quand vous montrez, ils sont déjà packagés dans Helm, donc versionnés, maintenus par une communauté. Là, ils sont tous open source, il n'y a rien de payant dans tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et donc, vous allez pouvoir installer, donc on peut faire un upgrade, on va dire qu'on installe, quel est le Helm qu'on veut installer. Donc ici, notre Ingress Nginx. On va pouvoir lui dire dans quel namespace on veut le déployer. Si le namespace n'existe pas, ben, on lui force la création. On peut imaginer, donc il y a un namespace qui s'appelle default. Par défaut, vous pouvez tout mettre dedans. Pareil, c'est pas terrible de tout mettre dans le même répertoire. C'est comme les gens qui mettent tout sur leur bureau, sur leur PC. Moi, je n'ai jamais compris. On ne retrouve plus rien. Donc, vous pouvez créer ça dans un namespace particulier et publier le service pour être sûr qu'il fasse tout bien. Donc là, ils me disent que ça n'existe pas. Il va installer pas mal de choses pour que, du coup, ça ouvre cette porte. Et c'est là où, encore une fois, le fait qu'on utilise un cube managé, il y a plein de préconfigurations autour du réseau, de comment récupérer une IP externe pour que ça soit accessible d'extérieur. C'est déjà fait pour vous, et ce qui est quand même beaucoup plus pratique que de devoir se le faire à la main. Après, des fois, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le droit d'utiliser du cloud, même du cloud de confiance, ben, il faut le faire. Et souverain. Et souverain. donc voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, je regarde mes namespaces. Donc j'ai bien mon nouveau namespace Nginx Controller qui s'est créé. Je vais me mettre dessus, juste pour vous montrer. Tac. Donc je peux faire un cube. Ça vous dérange si je fais K? Vous avez compris que cube CTL, c'était la... Ouais. Tu peux cliquer. Oui, c'est un peu bas. Ouais. Je peux. Donc j'utilise K pour cube CTL, vous aurez compris que c'est, y a rien de magique derrière. Et voilà un peu tout ce qui m'a instancié. Et le truc intéressant là qui va nous pour Nginx, c'est qu'on voit là qu'il est en train de récupérer une IP externe. Donc il est en train, via les mécanismes réseau qui sont dispo dans le cube, de réserver une IP externe qui sera accessible depuis l'extérieur. Alors pour le coup, là, en plus, c'est l'intégration OVH qui fait ça, pour rendre à César ce qu'il y a à César, parce que Kubernetes, par défaut, il ne le fait pas. Et du coup, ça, c'est votre cloudeur, donc nous, en l'occurrence, OVH, qui a monté, qui a fabriqué, qui a mis toute la couche réseau autour pour aller faire ça, le provisioning, pour aller récupérer une IP externe et pour pouvoir l'associer. Donc, en vrai, chez eux, il y a un routeur quelque part qui s'est mis à jour avec une table de routage pour rebalancer chez nous, etc. etc. Et donc ça, c'est le genre de truc où quand vous faites ça à la maison, c'est un peu... Enfin, il faut jouer avec sa Freebox, quoi. Donc là, il faut que Stéphane clique sur OK. Ouais, je crois qu'on... Donc Fanny, il faut vraiment que tu chantes, désolé. Non, ça va arriver. Voilà, on est médisant.
Et donc ça y est, maintenant. Ça, c'est mon IP sur laquelle, du coup, mon cluster sera exposé. Mon ingress controller, il va servir de reverse proxy. Donc c'est lui, en gros, qui va être le point unique d'entrée. Et après, c'est lui qui va faire le dispatch en fonction des requêtes qu'il reçoit pour savoir sur quel pod il doit router telle requête. Tac, donc si je peux faire un check. Donc là, par exemple, ah oui, du coup, ça n'a pas marché. Tac, tac, hop. Oui, ah, c'est qu'il m'a dit deux fois. Parce qu'on a essayé de bricoler un truc avec des alias qui s'extendent et avec des variables dedans, mais du coup, c'est possible qu'il y ait des endroits où ça marche pas. J'ai comme l'impression qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Est-ce que j'ai mon myhost qui n'est pas. C'était. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Hop. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est que on veut juste aller faire un curl sur notre IP externe, donc sur le 37.59.19.59. Ah, il est facile en plus. Et pour voir si notre service il écoute bien, si on peut bien aller retrouver notre. Si je déploie pas le truc, ça va être bon. C'est de ma faute. On retrouve bien notre pod qu'on a déployé avant. Donc la petite différence par rapport au premier, tac, tac, tac. Donc on retrouve notre déploiement, on retrouve notre service et on a rajouté un composant ingress où on va lui dire en gros sur quelle URL il écoute. Et donc c'est sur ça que du coup le ingress controller il va se baser pour savoir quand je reçois une requête pour cette host-là, je sais qu'il faut que je route sur ce déploiement qui va bien. Donc là, normalement, ça devrait beaucoup mieux marcher. Voilà, donc du coup, là on voit bien que il me répond, j'ai un request ID, quelle URL j'ai utilisé, depuis où j'arrive, etc. Et que je tape bien mon new deployment, qui est ça. Évidemment que si j'utilise juste mon URL public, bah, en fait mon Nginx, vu que je ne lui dis pas quelle URL je veux appeler, lui il me dit bah ok, je reçois bien ta requête, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc du coup on voit bien que mon Nginx il écoute. Il me dit juste, je ne sais pas ce que j'en fais. Donc, c'est ce qu'on du coup, on fait dans le curl, c'est qu'on lui passe, on lui force en disant, eh ben, si tu veux aller sur, enfin, si tu reçois une requête sur 37 machin, le header host, c'est l'URL du new deployment qu'on a seté. Donc, comme ça, lui, il sait que, ah, bah, ok, donc tu veux que j'aille interroger ce pod, donc je te forward. Donc là, c'est déjà un peu mieux. On peut causer avec notre cluster depuis l'extérieur, mais c'est peut-être pas non plus super user-friendly. Est-ce que tu as une idée pour faire mieux? Ouais, ça s'appellerait un DNS, je pense. Et du coup, là, ce qu'on a vu, c'est que notre composant, il est accessible depuis l'extérieur, ok, mais en fait, il est répertorié nulle part. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. On ne peut pas résoudre le nom. Voilà. Alors après, ce qu'on est en train de se dire aussi, c'est que nous, on veut déployer plein de... On va en déployer plein, en fait, des... Je déteste les Mac. du coup, on va en déployer plein, nous, des contrôleurs, enfin des pods qui vont les tourner avec potentiellement plein de noms de domaine. Donc, en fait, il y a un moment où on va avoir un challenge aussi. On ne va pas aller s'amuser à aller déclarer tous nos noms de domaine à la mano dans notre provider de DNS. Alors là, nous, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise, Cloudflare. Peut-être un clean, pour que ça remonte en... Bon, on utilise Cloudflare comme registre DNS. Et si vous avez fait attention, du coup, tous nos trucs ils vont s'appeler grunty.uk. Et du coup, ça fait qu'on a notre serveur DNS sur lequel on va pouvoir aller enregistrer les noms de domaine. Là, ce qu'on veut faire, c'est le faire de manière dynamique. Qu'est-ce que j'ai mis ? Non, c'est 3, toi. Ah oui, c'est 3, c'est pour ça. Et donc en fait, on va utiliser un composant qui s'appelle External DNS. C'est un petit programme, c'est pareil, c'est open source et c'est gratuit. Et du coup, on va s'en servir, on va lui expliquer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un secret pour lui expliquer comment est-ce qu'il se connecte à l'API de Cloudflare. Parce que c'est pas automagique, il faut quand même qu'on fasse des trucs. Donc ici, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais créer un secret. Ce secret là en fait il va juste contenir mon token. Si je fais un kget secret -n, comment on l'a appelé ce truc là external DNS.
Hop, on voit que j'en ai un. J'ai un nouvel objet en fait qui est arrivé qui s'appelle comme ça. C'est le nom que je lui ai donné tout à l'heure. Et si en plus je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur, hop, du coup ça c'est vraiment mon objet tel que je l'aurais défini en YAML. Et ici, on voit ma clé, mais comme vous ne savez pas décoder du base 64, je suis tranquille. Alors la clé, c'est pas grave, elle peut leaker parce que du coup, c'est un token qu'on reset à la fin du test. je tiens à le préciser parce qu'on n'est pas bien malin, mais quand même. Et puis, en fait, du coup, après, il faut mon nom de user. Pareil, donc en fait, là, ce que je vais faire, je ne vous ai pas montré la commande, du coup, parce que j'ai oublié de faire tab. Hop, là, ce que je fais, c'est exactement la même chose, c'est que je crée un deuxième secret qui va aller contenir l'adresse mail qui est utilisée pour associer à cette API, parce qu'en gros, pour aller sur Cloudflare, il faut un user et un mot de passe. Donc Cloudflare, c'est nous, parce que Thomas avait un compte Cloudflare, mais Exandal DNS, il supporte globalement tous les DNS providers du marché, donc si vous avez un autre que vous préférez. Il fait du OVH, il fait du GCP, il fait du Azure, il fait du... Il fait du OVH. Il fait du OVH. Parce qu'au tout début, quand on a créé le talk, le provider OVH n'existait pas. En fait, c'est que Exandal DNS, il supportait par défaut tout. Ouais. Ils se sont rendus compte que c'était trop galère de devoir maintenir toutes les API de tous les providers. Donc, ils ont fait un nouveau mode, je ne sais plus comment il s'appelle, où en gros, ils délèguent. C'est si les providers veulent être compatibles avec Exandal DNS, ils se le gèrent. Et donc, du coup, à l'époque, on n'avait pas OVH, mais OVH fonctionne même. Et à chaque fois, je me fais avoir. Du coup, il faut que je vous montre ce que je fais. Et là, en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, pour le moment, j'ai juste préparé l'installation de mon composant qui s'appelle External DNS. Et en fait, du coup, là, je vais aller l'appliquer. Donc là, ça ne vous parle pas. Donc, je vais retourner dans Pathfinder, VS Code. VS Code. Le petit truc bleu mieux. Ouais. Ouais. Et du coup, là-dedans, c'est le... Non, install. Merci. External DNS Cloud. Celui-ci. Et je te jure que je ne sais pas zoomer. Tu cliques sur les... Reclique sur les... Oui, fais comme ça. Si je me débrouille. et donc là, en fait, je zoome un peu, mais que sur la partie qui nous intéresse. Avant, c'est tout le blabla pour Cube, pour lui dire combien on en veut, etc. Là, ce que je vais lui dire, en fait, c'est que j'ai envie d'utiliser une image. Donc, en l'occurrence, c'est une image OCI, ou une image Docker, si on veut. On lui dit qu'il faut qu'il aille pouler cette image-là pour la faire tourner. Elle est en V014. Et puis après, derrière, ce que je vais lui dire, c'est que je veux qu'il aille surveiller tous les objets de type ingress qui pourraient popper dans mon cluster. Je ne veux pas tous les prendre, je veux prendre que ceux qui ont le nom de domaine qui s'appelle grunty.uk, parce que du coup, cette instance de external DNS, je veux qu'elle travaille que pour mon nom de domaine qui s'appelle grunty.uk. Je lui donne le nom du provider pour qu'il sache quel implem il doit faire pour aller causer avec l'API. Et puis après, il y a deux, trois petits tips. Ça, c'est pour pas qu'on se mélange quand il y a plusieurs instances qui tournent en parallèle. Oubliez ça. Derrière, en fait, on va aller retrouver les secrets que je lui ai donnés. Donc en fait, là, ce que je lui dis, c'est que dans mon pod, je vais injecter sous forme de variable d'environnement. Donc en gros, je lui crée une variable d'environnement qui va s'appeler elle est où? Je suis plus en face. Spec container. Elle est là. CF API email et external DNS Cloudflare. Et en fait, dedans, je vais aller injecter mes deux secrets qu'on a créés juste avant. Donc, c'est comme ça que je peux aller configurer mon pod. Du coup, je l'ai réduit. Non, c'est toujours dans VS Code. T'as un bon nom de faire table. C'est toi qui m'as dit de tout mettre dans VS Code. Oui, c'est vrai. Il est là. Impeccable. Et du coup, j'en suis où? 33, 34. Donc là, en fait, j'ai déployé mon pod. Si je regarde,
Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais cette ligne de commande barbare, en fait, elle récupère le nom du pod parce que le nom du pod, il change à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit dollar quelque chose au milieu. Mais on va aller regarder les logs de mon pod. Et en fait, il dit blablabla, j'ai démarré. Et il y a un endroit, en fait, il est arrivé. Et par ici, en fait, ce qu'on va voir, c'est que il a détecté qu'il y avait un nouveau pod. Donc, il a découvert l'ingress que Mathieu avait créé tout à l'heure. Et en fait, il nous le dit quelque part par ici. Et il va dire, en fait, je vais aller créer un nouveau record auprès de mon registre ADNS. Et ce nouveau record, en fait, il va s'appeler newdeployment.addix.grunty.uk. Je vais lui mettre un time to live à 1, et puis c'est un objet de, enfin c'est un enregistrement de type A, donc c'est-à-dire c'est un alias sur une IP. Et en fait, cet outil-là, ce qu'il va faire, c'est qu'automatiquement, il va aller surveiller l'ensemble des ingresses qu'on va aller pousser. Il va aller regarder, tiens, c'est quoi le hostname qu'on veut publier. Et en fait, il va récupérer ce hostname-là, et il va juste aller créer l'enregistrement auprès du DNS. Donc, maintenant qu'on a fait ça, 34, je l'ai fait. Donc, normalement, après 34, il y a 35. Et maintenant, je sais pas, vous voyez en bas ou pas? Pas trop, je pense. Alors, je vous l'ai fait, mais c'est, il y a écrit dig. Et en fait, dig, c'est une commande, c'est juste pour aller requêter un DNS et pour aller lui dire, tiens, au fait, ce nom-là, c'est quoi le numéro de téléphone qui est caché derrière? C'est quoi l'IP qui est caché derrière? Et du coup, en fait, là, ce qu'on lui dit, c'est que, tiens, je veux que tu ailles me rechercher bah, justement le nom de mon ingress, l'URL que j'ai mis dans mon ingress, auprès, là, en l'occurrence, on a spécifié le DNS sur lequel on voulait aller, parce que nous, on veut du Cloudflare, mais si on n'avait pas mis la fin, ça marcherait aussi. Et en fait, il va nous répondre et il va nous dire, oui, j'ai trouvé un enregistrement, en fait, qui s'appelle New Deployment. Celui qui m'a répondu, c'est bien ton le DNS qu'on a spécifié derrière et l'adresse IP qui est associée, voilà. Elle est là et c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, donc notre 59.19.59. Donc là, sans rien faire, en fait, moi j'ai juste déployé le composant qui permet d'aller automatiquement provisionner mes noms DNS. Et du coup, le deuxième ouais. Effet qui se coule. Une question. Oui. Juste une question, le record TXT qu'il y avait au-dessus qui était créé, oui. C'était pour garantir l'utilisation de Cloudflare Non, alors les records TXT, en fait, ils sont utilisés par le external DNS pour servir comme base de données, parce que du coup, c'est là-dedans où il va pouvoir dire, tiens, c'est l'instance numéro tant sur tel cluster qui est tel truc, et comme ça, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va systématiquement essayer de réconcilier les enregistrements qui sont sur le DNS avec ce qu'il constate dans le cluster. Et en fait, ça lui permet de savoir que c'est un enregistrement que c'est lui qui gère. Et donc, du coup, il a le droit de le supprimer sans péter autre chose. Par exemple, là, si on supprimait notre new deployment, qu'on supprimait cet objet-là, le external DNS, il a sa prochaine boucle de réconciliation, il va passer, il va dire, ah bah tiens, je ne l'ai plus, mais du coup, j'en avais un. Et qu'est-ce qui est publié? Il y a tout cela et c'est moi qui suis censé les gérer. Donc lui, il est à moi et à savoir s'il est à lui, il se base sur le TXT. Et il va dire, bah tiens, il existe côté DNS, mais il n'existe pas en local. C'est moi qui dois le gérer, donc je peux le supprimer. Et donc, en fait, tu te sers de ces enregistrements TXT pour mettre 2-3 infos. Et c'est typiquement les deux parties là, que je vous ai dit que ça ne nous intéressait pas. Mais du coup, c'est là-dedans où on va dire, bah, moi, je suis l'instance externe DNS TT, donc c'est bien un de mes records et je peux le faire. On le fait sous forme de TP, ce workshop, et du coup, chacun des participants, il a son instance à lui. Et comme j'ai qu'un seul nom de DNS, en fait, du coup, il y a peut-être 8 ou 9, il y a 60 instances l'autre jour. Il y a 60 instances d'external DNS qui vont travailler sur le même nom de domaine. Et je n'ai pas envie que les records qui sont créés par celui qui fait le TP numéro 1, et bah du coup que lui il s'amuse à supprimer ceux du copain à côté. Et donc c'est là où on avait oublié, il y avait un ça bug. Ça s'est passé. C'est ça. Et d'où l'intérêt d'avoir ces petits bouts de TXT derrière. Et en fait, dans le TXT, ce qu'il va dire, c'est que. Alors ça. C'est ça. Et dedans, il va pouvoir mettre des espèces de metadata. En fait, il planque ses metadata derrière. Ouais, tu gères la zone en fait. Si vous avez 60 instances que chacun essaie de connecter 60 adresses différentes au même domaine, qu'est-ce qui se
Alors nous, parce que du coup, en fait, quand on fait le TP, c'est qu'ils, là, on a mis Tadix en dur. Mais en gros, quand ils font le TP, ils mettent un trigramme. Et comme ça, du coup, ils ont chacun un sous-domaine. Chacun prend le ils sont tous sur grunty.uk, mais avec un trigramme avant. Donc, du coup. Bah, il va pas là, il va dire bah, il y a déjà une entrée qui existe, donc je ne peux pas. En fait, il se bouffe le nez en permanence. Tu as ton registre ADNS qui va contenir toutes tes entrées. Il y a un premier cluster qui dit moi j'ai deux URL. Et puis tu as l'autre cluster qui dit moi j'en ai qu'une. Et bah, en fait, une fois que c'est lui qui va s'exécuter, il va dire est-ce que j'ai mes deux? Oui, j'ai mes deux. Ah, par contre, j'envoie une troisième qui est gérée par un external DNS, tout comme moi aussi. Mais celle-là, je ne l'ai pas, donc il faut que je la supprime. Non, mais c'est plus c'est toi si deux essaient de publier au même moment tadix.grunty.uk. Ah. Le premier gagne et le deuxième non. Donc du coup, ben, quand tu fais ton dig. Le deuxième, il verra l'IP du premier. Oui, ça va passer son temps. Il ne va pas écraser, le record. Si tu mets vraiment le même nom, ils vont se bouffer le nez. En fait, tu verras en fait, ce qu'il va dire, lui, surtout, il va dire que tout est up-to-date, parce que quand il interroge le DNS en lui disant bah, voilà, moi, j'ai tel nom de domaine, enfin URL, le DNS va lui dire bah, moi, je connais déjà tout ça. Il va faire ah, bah, du coup, on est déjà celle-là, donc c'est bon, j'ai pas. Ouais, il n'y a même pas d'erreur, parce que lui il va, le deuxième, il va considérer que en fait, c'est déjà créé. Parce que vu que le DNS dit bah, je connais déjà cette URL, donc du coup, bah, tu n'as rien besoin de faire, moi je la connais déjà. Et là, il pourrait à la limite s'en rendre compte si justement dans les metadata, il y avait bien un identifiant à chaque fois. Il va dire ah bah il existe déjà, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc il y a un problème. Et du coup, là, il dirait bah, je la supprime et je la recrée. Mais avec ma signature à moi. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est que là, dans la conf, je vous ai vraiment montré toute la conf. Hein. On n'a spécifié nulle part. Cette IP que je ne vois pas, elle est en bas, la 59.19.59, on l'a spécifié nulle part en fait. C'est justement l'outil external DNS qui a allé regarder, qui a demandé au cluster cube, qui a demandé à l'ingress controller, c'est quoi ton IP externe, je récupère ton XP externe et je fais machin. Donc c'est lui qui a fait un peu tout au milieu. Donc en vrai, c'est assez friendly user. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on peut donner à nos collègues qui vont utiliser le cluster, on va juste leur dire, écoutez, vous, la norme, ne vous souciez pas de l'enregistrement DNS, vous n'avez pas à connaître Cloudflare, vous n'avez pas à connaître le mot de passe. Tout ce que vous avez à faire, c'est déclarer un ingress. Et cet ingress-là, si vous utilisez le bon nom de domaine, parce que sinon ça ne marche pas, vous avez juste à... C'est mon application chéridamour.grunty.uk. Mathieu, il a envie de déployer ça, et bah, du coup, il n'est pas obligé de connaître les credentials de Cloudflare. Il va juste créer un ingress avec ce host dedans, et en fait, ça va faire le taf tout seul. C'est pratique quand vous voulez faire si vous faites de l'infra as code ou tout ça, vous avez juste à dire je veux un nouvel environnement dev-1. Vous allez juste mettre dev-1 dans un ingress, et automatiquement, ça sera publié. Donc, du coup, les développeurs pourront accéder à dev-1 5 minutes après. Ouais. Petite question un petit peu. Si je modifie mon TXT en mettant la valeur de mon deuxième DNS. External DNS. External DNS, on est d'accord que je modifie le TXT qui a déjà été créé par le premier pour faire en sorte de avoir que ce soit le deuxième qui gère cet enregistrement-là. Oui. Okay. Après, le zone, il est généré comment? Parce qu'on a une zone égale et justement une clé assez unique, elle est fixée. Ça, le nom de la zone, en vrai, ce zone-là, ça doit être le nom de la zone côté Cloudflare. Parce que du coup, dans Cloudflare, tu as une notion en centrale et puis tu as une zone ID qui correspond à mon nom de domaine qui s'appelle grunty.uk. Et du coup, là, comme il travaille sur le grunty.uk, il met ça. Là, je pense qu'on ne le voit pas en entier, il va falloir faire un mort, mais le TXT, le record TXT, il est comme ça là. Il est beaucoup plus grand en vrai. On ne le voit pas tout dans la log. Et après, tout ça pour dire que ce que tout à l'heure on ne pouvait pas faire, on a été obligé de bidouiller notre curl pour qu'on lui pousse le nom de domaine, maintenant je ne suis plus obligé de le faire parce que j'ai un vrai record DNS, il existe, il est public. Donc en fait là, j'ai plus besoin de changer quoi que ce soit. Et si je fais un curl de mon nouveau déploiement tadix.grunty.uk, et ben là, ce qu'il va faire, c'est que curl, il va aller taper le DNS qu'il configurera au niveau de la machine de maths, donc ça doit être du Google. Le Google, il propage machin, ça arrive sur Cloudflare. Cloudflare, il dit, ah bah oui, ce nom-là, je le connais, c'est l'IP machin 59. Du coup,
le curl, il va adresser l'IP 5959. On arrive sur le serveur Nginx. Comme on a spécifié le bon nom de domaine dans notre curl, et bah, du coup, Nginx, il sait, ah bah tiens, en fait, c'est ce pod-là, et donc il peut le renvoyer, et il nous affiche le même message que tout à l'heure. Donc, tout ça, pour ça. Mais c'est utile. Mais, maintenant, c'est cool, on a un nom de domaine, on a notre application qu'on a déployée, on peut y accéder depuis l'extérieur, et puis en plus, on n'est même pas obligé d'être un robot et de connaître son IP par cœur, on peut se servir d'un nom qui est plus facile à retenir. Et maintenant, les sites internet, on aime bien quand il y a un petit cadenas dessus. Ouais. Et pour la petite histoire, au début, ça s'appelait grunty.dev, mais on s'est rendu compte que les .dev ont été achetés par Google et qu'on est obligé de faire du HTTPS. On peut forcer nulle part de faire du HTTP sur du .dev, ce qui nous pétait notre démo, donc on est parti en UK. C'était beaucoup plus classe. C'était beaucoup moins cher. Et aussi moins cher. Donc oui, l'idée c'est aussi se dire, même si c'est du dev ou du test, on veut sécuriser un petit peu tout ça. Donc comment on fait pour facilement avoir du HTTPS et générer des certificats pour nos endpoints? Donc on va utiliser Cert Manager, qui est là pour ça, qui est un peu pareil, qui va tout vous faire par magie. Et qui l'idée c'est pareil, dès que vous allez déployer un nouvel ingress, votre external DNS va vous créer l'entrée DNS qui va bien. Et automatiquement, lui, il va détecter, ah tiens, un nouvel ingress qui doit être sécurisé. Et du coup, je vais générer automatiquement un certificat. Donc nous, on utilise LetSendScript, mais vous pouvez utiliser d'autres unités de certification si vous voulez. Mais LetSendScript, c'est quand même très pratique. Et automatiquement, il vous génère un certificat LetSendScript, donc qui sera trusté par votre navigateur par défaut, etc. etc. Donc, hop, on refait un client. Donc du coup, il m'a tout laissé ouvert. Cochon. Donc là, pareil, on va installer Cert Manager. Donc, pareil, on va utiliser Helm. Donc en gros, on a un package qui est mis à notre dispo qui va bien pour pouvoir installer tous les composants de Cert Manager. Hop, je vais le lancer tout de suite. Normalement, c'est assez rapide. Il va installer ce qu'on appelle des CRD, qui sont des Custom Resource Description. C'est qu'en gros, on va créer des objets dans Cube qui sont propres à Cert Manager. C'est en gros, comme quand vous faites du Java, par exemple, vous allez créer des objets. Là, vous allez pouvoir créer des objets dans votre cluster cube pour que quand vous essayez de déployer certains types de composants dans votre cluster, le cluster ne dise pas je ne connais pas cet outil, de quoi tu me parles. Il sache comment du coup le déployer et l'utiliser. Yes, ok. Donc là, toujours pareil. Si je regarde mes namespaces, si j'ai bien mon namespace Cert Manager qui s'est créé, si je vais voir dessus, tac. Donc là, on voit que lui aussi, il m'a créé plein de trucs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça va être plein d'outils qui automatiquement vont aller scanner s'il y a des ingresses et automatiquement vont faire les challenges avec LetSendScript, parce que LetSendScript, ce n'est pas juste « donne-moi un certificat » et il te donne. Il faut quand même lui montrer pas de blanche, montrer qu'on est bien celui à qui appartient l'URL qu'on veut mettre dans le certificat, etc., etc. Donc pour ça, il faut qu'on crée ce qu'on appelle un issuer. Donc, je vais le créer tout de suite et je vais vous montrer pendant ce temps. Donc, c'est un cluster issuer. En gros, on va lui dire c'est quoi ? C'est on va lui dire sur quel serveur LetSendScript on veut s'abonner. Donc là, on a pris la prod. Vous pouvez très bien faire le staging aussi si vous voulez. Du staging, c'est que les certificats sont plus longs. Mais ça reste du staging. Donc, du coup, vous aurez peut-être un petit warning sur le navigateur. Et la partie importante, c'est sur quel email vous voulez enregistrer ce certificat. Parce que pareil, il va falloir prouver que c'est un email connu, etc. Donc j'ai juste les notifs de renouvellement et pour recevoir les notifs. Et donc quand vous faites des TP à 60 personnes et que vous mettez votre mail perso, c'est cadeau. Histoire vécue. Donc là normalement c'est tout bon, mon issuer est créé. Donc du coup, je vais essayer de déployer un nouvel ingress. Je vais le lancer tout de suite comme ça vu que c'est un peu long. Touk touk touk. Ah là 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 là. Il est là. Alors à chaque fois, quand on dit que ça va être un peu long, c'est que c'est un peu long dans le talk, c'est-à-dire que ça prend quelques minutes, mais en vrai, c'est quand même super. Il faut qu'on meuble pendant ce temps. La différence avec la partie NOG, on retrouve bien notre objet ingress, donc on retrouve nos règles sur quel host, notre port, tout ça, mais on a une petite partie en plus TLS pour lui dire qu'on veut que ça soit sécurisé. Et donc du coup, comme ça, Cert Manager, il voit qu'il y a une partie TLS, donc il faut qu'il génère un certificat pour nous. Si je me remets dans mon namespace démo. Voilà, doigt carré. Ok, on va faire un petit clear pour que tout le monde voit bien. Si je récupère, voilà. Et on voit qu'il m'a créé un petit pod secret. En fait, c'est via ce pod-là qui fait les échanges
avec Let's Encrypt pour valider le challenge Let's Encrypt de création du certificat. Donc pareil, si je regarde, on a des objets certificats. Voilà, donc là, il est en train de me générer un certificat pour ma nouvelle URL que j'ai appelée secured.index.guarantee. Et on voit qu'il est à false. C'est que là, il est encore en train de discuter et de faire tous les challenges avec Let's Encrypt pour être sûr que c'est bien une URL qui peut truster et donc pour laquelle il a le droit de générer un certificat. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ce petit pod qui a été créé il y a 42 secondes, qui est quelque chose qui est créé par Set Manager pour faire tous les exchanges avec Let's Encrypt. Il est encore en train de le faire. Donc c'est pas grave, ça peut prendre un peu de temps. Et mais voilà, donc l'idée, c'est qu'automatiquement, dès qu'il va passer à true, on va pouvoir avoir les infos. Et le challenge... Là, il va créer un enregistrement TXT ou il va non. Créer une réponse en fait, à une URL. Il y a les deux. En fait, Let's Encrypt, comment est-ce que ça fonctionne? En gros, ce que ça fait, c'est que d'un côté, tu vas dire « je veux un certificat », il va dire « ok, pour quelle adresse ?» On lui file l'adresse, il va nous dire « bah tiens, moi, je te donne un secret, et ce secret-là, il faut que tu me le planques à l'adresse que tu m'as donnée. » Soit une adresse, soit un record HTTP. Et tu peux faire les deux, il y a les deux modes de configuration avec l'issueur. Là, le mode qu'on a choisi, c'est le HTTP, mais tu peux faire le challenge DNS aussi. C'est-à-dire que de la même manière, c'est juste que c'était plus compliqué parce qu'il faut lui paramétrer aussi les accès à Cloudflare, machin. Mais sinon, il va aller planquer effectivement le challenge dans le record TXT, dans le DNS. Et une fois qu'il va constater, il va pouvoir le faire. L'usage DNS, il est hyper pratique quand tu vas te retrouver avec avec un cluster qui est offline justement. Où du coup, tu vas dire, moi, c'est ce que je fais à la maison. Je n'ai pas envie que mes trucs ils soient exposés sur Internet. Mais du coup, j'ai quand même envie d'avoir mon petit certificat. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'enregistre le record dans un DNS public qui pointe sur... Enfin, mon firewall, il ne le laisse pas placer. Mais du coup, ça me permet quand même de réussir le challenge et d'obtenir un certificat que je peux mettre sur mon réseau local. Là, si on passe par un point d'aide, justement, sachant qu'il est accessible comme HTTP... Ah ben non, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, en fait. Non, mais on s'en est bien rendu compte. Ouais. Donc là, on retrouve bien le challenge qui était OK. Et si je refais mon get... pod, on voit bien que mon acmé a disparu. Tac, et si je refais mon get certificate, hop, on voit que mon certificat est passé à true. Okay. Et donc là, normalement, si tout va bien, j'ai bien donc mon appli qui me répond, comme tout à l'heure, on retrouve la mienne. Mais surtout, on voit bien que la connexion est sécurisée et que j'ai un certificat valide qui a été généré par Let's Encrypt il y a quelques secondes. Donc du coup, ça vous permet aussi de pouvoir exposer de manière sécurisée toutes vos API et vos applications de manière automatique. Comme ça, vous vous assurez que les gens ne font pas que n'importe quoi, ce qui peut leur arriver. Voilà, je crois que c'est bon pour cette partie. Je ne sais plus si j'ai un check, mais ça doit être juste c'était pour aller certifier. Voilà, donc là déjà, quand on crée des choses, automatiquement on a un nom lisible, potentiellement, automatiquement on a un certificat. Donc ce qui est plutôt cool, mais bon, on peut sûrement aller plus loin. Typiquement, avoir les secrets en dur dans le cluster, enfin en dur, en base 64. Ouais. J'ai juste une petite question sur Cert Manager, du coup, est-ce qu'il gère aussi le renouvellement des certificats? Oui, oui. Et parce que là, le pod, il a été détruit, mais comment ça se passe? Non, le pod... C'est le pod de challenge qui a été détruit, mais mon pod qui expose, il est toujours là. Après, c'est plus que... Après, lui, il va scanner s'il voit que le certificat est en... Là, l'objet qu'il a montré, Matt, tout à l'heure, avec le KGET Certificate, on voit là, le Certificate, c'est un nouvel objet. Et en fait, ça fait que lui, c'est pour ça qu'on parlait des CRD aussi, donc Custom Resource Definition. Et ce truc-là, c'est un vrai objet et qui a son propre cycle de vie. Et donc, en fait, le Cert Manager, ce qu'il va faire, c'est qu'il va surveiller le cycle de vie. Et il sait quand est-ce qu'il expire. Et du coup, en fait, quand il arrive à expiration, il va tenter de te le renouveler. Tu peux le renouveler. Enfin, tu peux le configurer pour qu'il renouvelle automatiquement. Et donc, du coup, quand il va arriver, il va refaire un CM ACME, il va refaire le challenge pour revalider que tu es bien toujours le propriétaire du truc. Tu peux lui configurer le debounce avant qu'il renouvelle et tout machin. Enfin, c'est vraiment, tu shoot et tu forget, quoi. Ça marche. Hein? Ça doit tourner. Oui. Non, parce que non. Le certificat, c'est un objet à part. Pour le coup, il regarde pas s'il y a un pod qui tourne derrière. Lui, il sait qu'il a une URL qui doit être sécurisée. C'est pour ça que toi, il crée un autre pod pour faire les chaînes. Il n'utilise pas le pod existant pour créer le chaîne. Il crée son propre pod. Donc, lui, il regarde si l'objet certificat il est en train d'expirer. Si oui, il le renouvelle. Enfin, Cert Manager. Cert Manager. Oui, ah bah, Cert Manager, oui. Oui. Mais Cert Manager, oui. En fait, notre appli, elle pourrait très bien être éteinte derrière qu'on s'en fout parce que lui, tout ce qu'il surveille, c'est juste l'ingress et la config qu'il va aller injecter dans Nginx.
Après, le reste, qu'il y ait un truc derrière qui marche ou qui marche pas, ça lui fait ni chaud ni froid. Yes. Donc voilà, donc, ça c'était bon. Donc après, voilà, l'idée c'est qu'on a quand même mis son token Cloudflare quasiment en dur dans le cube. Il suffit qu'un petit malin sache aller un peu creuser. Ça serait quand même mieux de pouvoir externaliser nos secrets. Surtout que si on veut faire, là pour le moment, en plus vous avez vu tous les déploiements qu'on a fait, en fait c'est des fichiers YAML ou approchants. Et en fait, ça serait pas mal qu'on puisse aller sauvegarder notre conf dans un repo Git par exemple. Par contre, j'ai pas du tout envie de mettre mon token dans le repo Git parce que sinon il faut que je l'expire tout de suite, du coup ça marchera jamais, enfin ça va être compliqué quoi. Pour pallier à ça, en fait, il y a un composant qu'on va vous présenter là qui s'appelle External Secret. L'objectif de External Secret, ça va être justement de déporter, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller définir des secrets directement dans votre cube, il va y avoir une indirection. Donc en fait, en gros, dans Kubernetes, on va juste dire « je veux que tu ailles récupérer le secret qui est stocké dans tel vault, enfin, coffre-fort, ouais. Coffre-fort, merci, dans tel ou tel coffre-fort de tel ou tel fournisseur que j'ai envie, et mes secrets seront gardés à côté, et en fait, au moment où j'en ai besoin, c'est lui-là qui va aller me les injecter et me les créer pour aller les rajouter dans le cluster. » Le gros plus, en fait, c'est que ça permettra d'aller mettre des policies sur le vault. C'est-à-dire qu'on voulait faire expirer des secrets, vous pouvez les mettre dessus. Qu'on voulait faire un rotate, savoir où est-ce qu'ils sont utilisés, etc., etc. C'est quand même vachement plus pratique. Et donc, c'est ça qu'on va faire. 3, 4, 5. Impair pour toi. Donc, pareil que tout à l'heure, on utilise Helm parce que c'est assez pratique pour aller générer les fichiers de déploiement, etc. Je vais installer, là, je pense que ça fait trois fois, vous avez bien compris. On va installer le truc qui s'appelle External Secret. C'est là où il fallait que je meuble et pas avant. Mais. Donc c'était super long quand même, mais on y arrivait. Donc là, il m'a dit qu'il était super content et qu'il avait réussi à installer mon opérateur qui s'appelle External Secret. Maintenant, en fait, nous, ce qu'on a choisi, par facilité, c'est de stocker nos secrets dans GitLab. Parce que, du coup, il y a possibilité de créer des variables, en fait, dans GitLab, surtout pour les pipelines de CI/CD. Et du coup, ça peut être intéressant de se dire, mes développeurs, mon équipe, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent dans GitLab, ils mettent leur secret, et puis en fait, comme ça, dans leur déploiement, quand ils les préparent, ils ont juste à dire, ah, au fait, le secret sous GitLab, il s'appelle comme ça, t'as qu'à aller le chercher à cet endroit-là. Mais je te le redonne pas, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller faire des modifs dedans. Et donc forcément, pour faire ça, toujours pareil, il faut qu'on va aller configurer ce qu'on appelle un provider. Et en fait, ce provider-là, il faut qu'on lui dise comment est-ce que tu fais pour aller te connecter à GitLab. Donc la première étape, là, je viens de créer un secret qui correspond. Alors il y a un secret à mettre quand même, c'est le token GitLab. Donc c'est vrai que c'est une solution de facilité. Enfin, on vous recommande pas. Nous, on le fait ça parce que c'est quand même plus facile pour les démos. Ce qui est souvent mieux, c'est d'utiliser HashiCorp Vault parce que du coup, l'avantage de Vault, c'est qu'il s'installe dans le cluster. Vous n'avez même pas besoin de ressortir du cluster, mais tout en sécurisant vos secrets, il n'y a pas besoin de mettre de token ou quoi. Parce que là, du coup, on a quand même un petit point de sécurité. Hein, c'est que si je récupère le token GitLab qui est en base 64, je récupère l'accès à l'API GitLab et donc globalement, je récupère. Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est facile d'externaliser des secrets. Si vous devez le faire pour en vrai, utilisez plutôt du HashiCorp Vault. C'est un peu plus long à mettre en place. Donc, c'est pas que pour une démo, ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est quand même plus sécur. Et puis, le GitLab, ce n'est pas du tout un gestionnaire de secrets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas auditer les secrets, on ne peut pas regarder quand est-ce qu'ils expirent, on ne peut pas faire de rotate automatiquement, etc. Enfin, ce n'est pas prévu pour et ça ne se veut pas prévu pour. C'est vraiment de la facilité, que ce soit du Vault ou l'équivalent chez Azure ou chez AWS ou autre. Vous avez plein de gestionnaires de secrets et ça marche bien. Donc là, je lui ai donné les credentials pour aller se connecter à GitLab et après je vais aller créer un autre objet qui s'appelle le
mon secret store, c'est juste ma chaîne de connexion en fait. C'est la chaîne de connexion qui va être utilisée par mon external secret pour aller se connecter à GitLab. Hop, 54. Et du coup, ben, là, ce que j'ai fait, c'est que je viens de... Je vais vous le montrer. Et c'est là, parce que tu m'as dit que c'était dans le même. C'est cela. Et donc, là-dedans, en fait... J'y arrive pas. Clique sur les fichiers. Ça se moque de moi, à ma droite. là-dedans, en fait, du coup, ce que j'ai défini, c'est que j'ai défini un objet de type external secret. Et en fait, au lieu de mettre mon mot de passe à l'intérieur, bah, tout ce que je lui dis, c'est pour aller trouver, pour aller te connecter au Vault qui contient mes secrets, tu utilises ce secret store, donc c'est celui qu'on a créé avant, là, qui connaît mes credentials de GitLab. Et après, du coup, je lui dis que le nom de la variable qu'il va falloir aller chercher dans GitLab, c'est external Cloudflare user mail et user. Non, celui-là, la variable, c'est là. J'y arrive pas, je suis pas en face. Non, c'est la variable dans GitLab, elle s'appelle comme ça. Et ça va populer cette variable-là. Donc, tu me récupères la remote ref. Ouais, merci. Donc, ma clé en remote, c'est CF user mail. Et du coup, je veux que tu me l'injectes dans, sous ce nom-là, dans ce secret. Ouais. Et donc là, ça fait que ça, par contre, je peux le committer facilement dans un repo Git et je peux le rendre public. En fait, je m'en fous. Il y a deux secrets nulle part. Je n'ai pas indiqué mon mot de passe GitLab. Je n'ai pas indiqué ma clé Cloudflare. Il n'y a rien du tout, en fait. On indique juste que quelque part il doit exister un secret qui s'appelle password mais tu connais pas la valeur quoi, tu sais juste qu'il existe. Ok. Et donc après ce que je vais faire c'est que je vais juste changer. T'as déjà fait ça ? Là, j'ai déjà fait 55 après 54, c'est ça hein ? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer les objets qui sont. Hop. Je récupère juste les objets qui sont dans mon namespace. Et en fait, on voit ça, c'est les deux objets que j'ai créés avant. Donc, qui s'appelle. J'ai un external secret qui s'appelle. Clé et l'autre qui s'appelle email et qui utilise tous les deux le store GitLab. On voit aussi qu'on peut aller lui paramétrer combien de temps est-ce qu'il doit aller rafraîchir pour aller récupérer les infos. Et on voit surtout que le secret est bien synchronisé. Donc c'est-à-dire qu'il a bien réussi à récupérer les infos pour créer le secret. Sinon, il nous dirait bah non, j'essaie de récupérer quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est ça. Ouais. Ça marche pas. Et donc là, en fait, ce que je vois, c'est que dans mon namespace, il y a les deux secrets que j'avais créés précédemment. Bon, moi, ça fait du coup 30 minutes déjà qu'on parle. Il faut qu'on accélère. Et ça, c'est les deux nouveaux secrets qui ont été... C'est pas moi qui les ai créés, c'est l'opérateur qui est venu les créer pour moi, en fait, qui est venu les injecter. Donc, 56. Donc, je vais pouvoir flinguer les anciens, ce qui fait que mon external DNS qui utilisait tout à l'heure ces deux secrets, ben là, il ne va pas être très content. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un nouveau déploiement. Et en fait, ce déploiement, il dit juste, au lieu d'utiliser les secrets qui s'appelaient comme ça et comme ça, maintenant, tu utilises les secrets qui s'appellent comme ça et comme ça. Et là-dedans, on va juste voir que 18. On voit bien qu'il a, il a bien recréé, qu'il a bien réussi à communiquer avec le DNS. Donc, du coup, notre config fonctionne. Donc du coup, là, les secrets ne sont plus, entre guillemets, dans l'endure, dans le cluster, ils sont externalisés sur GitLab. Ce qui est plus pratique. Tu spoil direct. Pardon, excuse-moi. Donc voilà pour la partie external secret. Donc là, c'est cool. On a, si je résume,
on a nos pods, on a mis des services devant, on a mis un ingress qui a une IP, cette IP elle est cachée derrière un nom de domaine, ce nom de domaine là, on a réussi à le protéger avec un petit certificat, et puis en plus les mots de passe qu'on avait mis en dur là-dedans, bah, du coup on a réussi à les externaliser et à les mettre dans un provider de secret à côté. Donc maintenant on est plutôt assez confiant pour dire on a filé quand même plein d'outils à nos équipes de développement et en fait chacune des équipes elle est quand même relativement autonome en fait. Elle a un truc pour gérer des secrets, elle peut créer des noms de domaine, avoir des certificats, on n'est pas trop mal. Maintenant comme on est un peu parano en termes d'admin de cluster, on aime bien avoir un peu de contrôle hein, parce que le contrôle c'est la vie. Et du coup on va vous parler d'un autre outil qui permet d'implémenter des règles de sécurité. Ouais. Parce que voilà, on sait que... Alors si vous avez, par exemple, nous, on a pas mal de clusters mutualisés chez SoapRestaurant. Et donc, du coup, en gros, les gens peuvent déployer sur le principe ce qu'ils veulent. Quoi. Ce qu'ils veulent égale tout et n'importe quoi. Et on sait très bien que sur Docker Hub ou autre, on peut trouver des images qui sont plus ou moins douteuses. Donc, l'idée, c'est qu'avec un outil qui s'appelle Kiverno, on va pouvoir mettre un peu des règles de sécurité et de contrôle sur notre cluster pour, par exemple, la démo qu'on va vous faire là, s'assurer que toutes les images Docker qu'on essaye de publier sur le cluster sont des images qui viennent d'un registre qu'on connaît. Par exemple, vous avez votre registre interne, vous avez des scanners qui passent, donc vous vous assurez que ce que vous allez déployer, il y a tout qui va bien, et que vous ne prenez pas des images publiques, bien vous voulez vous assurer que toutes les images qui viennent, enfin qui sont déployées sur votre cluster, elles sont passées par ce tampon de registre interne et qu'on n'a pas le droit de publier là-dessus. Donc c'est ce que fait Kiverno. Donc là, tu m'en as mis tout partout encore. Tac, tac, tac. On va l'installer, donc je ne vous refais pas l'histoire de Helm, hein, c'est toujours la même chose. Donc Kiverno, il va installer des objets. Allez mon petit, comme tout le monde il fatigue. Allez c'est bon. Donc toujours pareil, j'ai bien mon namespace Kiverno qui a été créé. Si je regarde ce qu'il y a dedans, hop, il m'a créé plein de choses. Donc lui, pareil, hein, l'idée, c'est qu'il va en gros scanner un peu tout ce qui se passe dans votre cluster. Donc il crée plein d'objets pour pouvoir un peu regarder ce qu'il fait. Il va générer des rapports, on va voir un peu. Et il génère plein de types de règles. Donc il y a des règles en gros de contrôle où il va bloquer, des règles de mutation. Il va pouvoir automatiquement vous modifier des ressources si besoin, si vous voulez leur rajouter des choses. Si par exemple, vous n'avez pas mis le TLS par défaut sur votre ingress, automatiquement, ça vous injecte l'ingress, le bout de TLS qui va bien pour que tous vos ingress soient sécurisés, tout ça. Donc c'est plutôt rigolo comme outil. Touk touk touk, donc j'en suis à 6. On va faire une première policy que je vais déployer et que je vais vous montrer. Donc il déploie des policies. Touk touk touk. Hop. Donc une policy, c'est quoi? Donc il y en a différents types. Donc là c'est une type enforce, donc en gros c'est vraiment du contrôle strict qui s'exécute en background, je lui donne un nom, donc là je veux lui dire que je veux automatiquement qu'il me valide les registres. On peut lui dire sur quel type de ressources ça s'applique, on peut lui dire soit c'est sur toutes les ressources en fonction de ce qu'on veut faire, ou, donc par exemple si on veut lui acheter des labels aussi par défaut, on peut le dire sur toutes les ressources qui passent dans le cluster, automatiquement tu mets un label qui va bien. Là, on lui a mis que bah, pour nos ressources de démo, ça ne sert à rien, parce que s'il nous bloque toute la démo, ça va être moins drôle. Mais par contre, on veut valider que sur les autres namespaces, donc typiquement le namespace de démo, si l'image qui est définie dans le deployment ne vient pas de GitLab.com, eh ben, tu n'as pas le droit de déployer la ressource sur le cluster. Donc là, ma ressource est créée normalement. Hop. Je vois bien tac, 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 que j'ai une policy niveau cluster qui a été créée. Qui est en mode on force, qui est prête, donc je vais pouvoir te faire un premier test. Donc là, typiquement, je ne suis pas au courant, je veux faire mon bourrin, tiens, j'ai envie de déployer un Nginx qui vient du Docker Hub. Et donc là, normalement, tac, et bien, qui va nous dire, tu n'as pas le droit, tu es en violation de la règle validate registre, c'est une registrie qui n'est pas autorisée, donc tu ne peux pas déployer. Donc là, si je retourne sur mon namespace de démo, on voit bien que j'ai rien qui a été déployé, donc c'est plutôt cool. Donc le problème des registres type GitLab ou privé, c'est qu'il faut s'authentifier après ça. Donc du coup, il faut que je crée il faut que je crée un secret. Ah, on va refaire parce que vous ne voyez rien.
Il faudrait normalement, par défaut, on peut créer un secret de type GitLab cred où on lui donne l'URL de la registrie, le username, le password et un email. Donc encore une fois, on va dire que c'est quand même pas très secure de ce qu'on a vu avant. Donc heureusement, on a mis external secret en place avant. Donc autant l'utiliser. Et donc du coup, là, je vais utiliser external secret pour aller récupérer les credentials pour m'authentifier auprès de la registrie. Pour qu'après, une fois que j'essaie de pouler une image qui vient d'une registrie privée, eh ben, le cluster puisse le faire. Donc là, normalement, ça doit marcher. Et si je refais ma démo, donc là, je vais essayer de déployer autre chose. Si je vous montre très rapidement. Tac. On voit bien que j'ai repris ma petite baleine en ASCII, sauf que j'ai repackagé l'image que j'ai hébergée sur ma registre GitLab sur mon projet privé. Donc du coup, je sais que c'est moi qui l'ai packagé et que je suis OK pour la déployer. Donc là, normalement, si tout se passe bien, Kiverno il me dit OK, c'est cool, tu as le droit. Et si je vérifie, j'ai bien mon ASCII cinématique hardened, donc en gros validé, qui est en train de déployer depuis 5 secondes. Donc ce qui est quand même plutôt cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que, effectivement, si je ne prends pas le bon, il nous génère des rapports. Donc on voit un petit peu ce qui s'est passé. Et typiquement, alors, vu que les ressources sont déjà déployées, il ne va pas les enlever pour nous. Mais par contre, il me dit, en fait, tu as deux trucs là, que tu avais déjà déployés, sur le principe, ils sont failed. Donc du coup, tu devrais peut-être avoir un regarder pour les supprimer assez rapidement. Donc voilà, on peut lui dire de supprimer, là on ne l'a pas fait, mais en gros, il rescanne, enfin, il part pas à un instant T, il regarde déjà ce qui est existant. Donc ça nous permet aussi d'avoir un rapport rapidement de dans quel état est notre cluster à un instant T, si on ne l'a pas mis dès le début, se dire, oulala, où est-ce que j'ai des loups par rapport à certaines règles de validation que je voudrais avoir. Donc ça, c'est le premier type de règle qui est pratique. Donc ça, c'est la règle un peu de contrôle pour s'assurer un peu qu'on maîtrise ce qui est déployé, par exemple. Ce que je vous dis, c'est aussi qu'il peut faire de la création ou de la mutation d'objets pour nous. Typiquement, bah là, on a vu que nous, on veut forcer que des images qui viennent de GitLab.com, mais il faut à chaque fois un secret pour pouvoir aller se connecter à GitLab.com. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que les équipes soient au courant, tout ça. Et ben, avec Kiverno, on a la possibilité de faire une policy où automatiquement, on lui dit, dès qu'un nouveau namespace est créé, automatiquement, tu me crées les GitLab creds qui vont bien pour que les gens puissent aller pouler les images et déployer des choses dans ce namespace-là. Comme ça, du coup, pareil, pour les développeurs, c'est plutôt tranquille. On sait qu'ils vont pas déployer n'importe quoi, on n'a pas besoin forcément de leur passer les infos sur la registrie pour comment s'y connecter, et au moins on s'assure de tout ça. Donc c'est le même principe. Non, c'est pas celui-là, pardon. Elle est là. Donc là, un peu différemment, ben, vous voyez tout à l'heure on avait au niveau des pods, là, on va dire que moi c'est toutes les ressources de type namespace. Je veux que automatiquement tu me clones l'objet GitLab cred qui est dans le namespace Kiverno, pour le recréer dans une nouvelle namespace. Comme ça, du coup, ben, dès que je vais créer un nouveau namespace, automatiquement, il va me le faire. Donc, normalement, je fais... non, c'est pas celui-là, pardon. Je crée ma policy. Donc, c'est juste un apply. Allez. OK. Donc là, si je regarde mes cluster policy, je retrouve bien ma deuxième. Donc, j'ai ma restrict sur la partie image et j'ai mis un là. Et on voit que là, c'est un nouveau type d'action, c'est de l'audit. Il audite un petit peu les ressources pour voir si elles sont en compliance avec notre policy. Du coup, ce que je fais, c'est que tout bêtement, bah, je vais juste créer un nouveau namespace qui s'appelle Demo Kiverno. Hop, OK, incroyable. Et je vais juste vérifier. Hop, non, c'est pas celui-là, pardon. KNS Demo Kiverno. Donc là, je me mets dans le nouveau namespace. On va faire un clear, pardon. Et ce que je fais, c'est que je fais un get secret. Et on voit bien que automatiquement, il m'a créé mon secret pour être en capacité de se connecter à ma registrie. Donc c'est quand même pratique, j'ai pas besoin de m'en souvenir à chaque fois du mot de passe et tout ça. Du coup, toujours pas. Donc là, non. Si je refais ma démo de tout à l'heure, hop, et que du coup, au lieu d'essayer de le mettre là, je le mets sur Kiverno. Donc on retrouve bien qu'il a toujours ma première règle qui n'est pas valide. Tac. Et si j'essaye de faire
mon hardened. Donc normalement, par défaut, il ne devrait pas connaître les credentials. Hop. Oui, parce que je dois avoir un truc en dur. Tac. Voilà. Donc là, j'ai repris une image. Donc là, je lui force l'image qui vient de registrer. Donc il a bien réussi à créer le pod. C'est-à-dire qu'il a bien réussi à s'authentifier auprès de la registrie automatiquement et à créer mon nouveau demo Nginx qui tourne sur mon nouveau namespace. Donc automatiquement, je suis sûr que toutes mes images qui sont déployées deviennent de ma registrie avec automatiquement les credentials. Donc c'est quand même assez pratique pour rapidement, quand on a des clusters mutualisés, mettre quelques règles. Alors il ne faut pas en mettre qu'un parce que c'est vraiment pareil, c'est toujours le temps de compute, mais quelques règles de base comme ça, de d'où ça vient, etc. On va voir que c'est quand même plutôt pratique. Donc Kiverno, c'est deux des quatre types de règles qui existent. Il y a des règles de mutation, quand je dis qu'on peut modifier des ressources existantes. Et une dernière que j'ai mangée, mais du coup c'est quand même assez puissant et assez simple à mettre en place. Allez, dernière étape, je pense que les bonus on ne les fera pas, mais on va déjà se dire que c'est l'heure d'aller dormir. Tu m'as flingué ma vanne, j'allais dire bon, il ne reste plus que 8 chapitres, donc on commence à être un peu fatigué. Et quand on est fatigué, normalement on va se coucher. Et donc ça c'est la dernière qu'on va vous présenter. En fait, normalement, vous ne travaillez pas nuit et jour. Comme en plus, nous, on travaille beaucoup sur l'aspect plateforme et comment est-ce qu'on met à disposition des outils pour nos équipes de dev, en fait, on a une vraie problématique, c'est que la nuit, ça ne sert à rien que les environnements y tournent, en fait. C'est pas très bon pour la planète, ça coûte des sous. Ce qu'on va vous présenter là, c'est un petit outil en fait qui s'appelle Cube Downscaler. Le but de cet outil, ça va être justement de surveiller nos pods et t'as un petit clair peut-être. L'idée, ça va être de surveiller nos pods en fait et de regarder par rapport à l'heure qu'il est, est-ce que le pod est censé être up ou pas, et du coup les redémarrer automatiquement ou les éteindre automatiquement le soir. 8, 7. 7, toujours un impair. Donc là on a changé. On n'utilise pas Helm, c'était juste un piège à la fin, c'est qu'on utilise un autre outil qui s'appelle Customize. Ça fait exactement la même chose, à part que l'un est déclaratif et l'autre est impératif. Et en fait, ça nous permet d'aller créer nos ressources. Donc là, j'ai créé mon opérateur qui s'appelle Cube Downscaler. Donc je suis allé l'installer. Ce que je vais dire, en fait, c'est que cet opérateur-là, il travaille sur des annotations. En gros, sur chacun des éléments, des kinds, des objets qu'on va mettre dans Cube, on peut les annoter. On peut mettre des métadatas en fait, dessus. Et là, en fait, tout ce que je vais lui dire, c'est que je vais dire que mon namespace qui s'appelle Demo, dedans, je vais leur ajouter une petite annotation qui va s'appeler Downscaler Uptime. Et je vais lui dire qu'en fait, nous, on travaille que le vendredi. Ouais, entre 7h30 et 18h30, quand même, on fait des gros horaires. Ouais, ouais. Par contre, c'est 7h30, 18h30, non, ça part. On travaille 11h, mais le vendredi. Et voilà. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste annoter le repo, le namespace où on a déployé tous nos composants jusqu'à maintenant. Et je vais lui dire, je veux que ce soit up, mais juste le vendredi. Donc, en théorie, on va éteindre tous nos pods puisque nous ne sommes pas vendredi. Quand je vais aller voir dans les logs de Cube Downscaler, on voit bien en fait qu'il est passé, qu'il a vu mon petit déploiement qui s'appelle ASCII Cinematics, le new deployment et le CPOIT deployment, et il me dit qu'il va switcher le nombre de réplicas de 1 à 0. Donc en gros, il est en train de les éteindre. Là, on a fait le mode bourrin où on passe de 1 à 0. Si vous voulez vous mettre par exemple en prod où vous savez que la nuit il y a moins d'activité mais vous ne voulez pas non plus être à zéro, vous pouvez très bien lui dire que okay, le uptime c'est 7h30, 18h, mais que vous voulez un minimum réplica à 1. Par exemple, si vous en avez 10 la journée parce que vous bombardez et que le soir vous n'avez pas besoin, vous pouvez dire tu me regardes 1 au cas où il y a un mec qui se connecte parce qu'il était insomniaque et qu'il ne se retrouve pas le nez dans l'eau, mais que du coup on réduit quand même la charge au maximum. Et par contre, si jamais pour une raison X ou pour Y, il y a une augmentation de charge,
va passer son temps à les détruire ou... Oui. Alors, bah non, enfin, ça va être. Alors, rescaler. Lui, il gère si c'est up ou down. Après, si dans la journée, tu es à 10, alors que tu n'as. Enfin, c'est pas. Lui, il va pas regarder si tu as un. Je pense plus, par exemple, on a prévu ça, et puis parce qu'on se dit, allez, on s'appelle Netflix, et puis on a prévu qu'il y avait besoin de 4000 machines, et puis là, on arrive, on a oublié que c'est le soir du Super Bowl. Là, il y a 400 millions de personnes qui commencent à regarder. Et en fait, automatiquement, ça passe son temps à... Ça ne va pas être le même usage. Oui, enfin, du coup, pour utiliser ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le... C'est les répliques assets qui sont vertical auto-scaling. Ou tu vas l'auto-scaling pour dire, bah, si tu as de la charge, tu m'en popes plus. Lui, il est juste là pour dire, en gros, mes périodes d'activité, c'est entre 7h et 18h. Il ne regarde pas si tu es en surcharge ou pas. Ce n'est pas son boulot. Lui, son oui, non, mais c'est et ça, c'est ton réplique asset qui gère ton scaling pour dire... par défaut, tu es à 10, mais si tu as des pics de charge, et c'est là où tu définis si c'est à 80% de CPU, 60%, en fonction de la règle que tu y mets d'usage, et ben, si tu arrives à 80% de CPU sur tous tes potes, tu m'en as. Et ça, c'est le réplique asset et l'auto-scaling. Là, le downscaler risque de, oui. de faire. Bah, le downscaler, c'est sûr que si tu as oublié de lui dire que c'est la nuit du Super Bowl et que lui, il considère que c'est un jour normal et qu'il coupe tout, oui, ça va poser problème. Mais... Alors, je pensais pas forcément à ça. En c'est fait, pas exactement le même usage. Exemple, mais... Nous, on est plutôt sur ce type d'exemple. Vous bossez de 7h à 18h, après on arrête. Sauf que occasionnellement, il y en a un qui dit bah tiens, ce soir je ferais bien un peu de rabat. Et bah, du coup, dans ce cas-là, entre guillemets, c'est pas hyper compliqué. Comment est-ce qu'on l'a implémenté ? C'est qu'on l'a implémenté surtout sur toutes nos charges de développement. C'est-à-dire que les développeurs, en théorie, le week-end, ils sont censés dormir et la nuit aussi. Alors, le week-end, ils peuvent faire d'autres trucs, ils sont pas obligés que de dormir, mais. Après, nous c'est la règle par défaut. Après, s'ils ont besoin d'aller réveiller leur pod, en fait, et justement, ça c'est la dernière commande que je mets, c'est que comme ils ont la main sur leur namespace, en fait, ou en l'occurrence, nous, c'est ils ont la main sur leurs ressources, ils peuvent très bien aller changer la notation en disant bah, en fait, je veux décaler. Mais nous, par défaut, et en fait, on sait, en fait, si la lumière elle s'éteint pas toute seule, il n'y a personne qui va l'éteindre. Surtout quand on sait qu'on est plusieurs et que machin, donc en fait, on le fera jamais. Donc, vaut mieux avoir une règle qui est plus stricte, mais qu'on peut lever, parce qu'en fait, ok, la lumière, elle s'éteint, c'est comme quand on est aux toilettes avec le détecteur de mouvement, là, il suffit de faire un petit coup comme ça, là, et puis ça se rallume. Donc là, c'est exactement pareil avec la partie kubectl-scaler, ça sera de dire, bah, du coup, j'y vais, je vais aller changer la conf, je me rajoute mes 2 heures de RAM qui vont bien, et puis c'est tout. Après, effectivement, sur de la prod, on va pas le gérer comme ça. Et après, du coup, il y a les mécanismes de HPA. C'est ça. En fait, on a des équipes de dev. Bah, on éteint les machines tous les soirs. C'est en ça. Fait, voilà. Mais après, bah, se pose la question. Et Joe, ils ont envie de bosser pour une raison X ou Y, parce qu'on arrive proche du DevOps, qu'on a une démo à finir. Il faut bosser. Ça, ils le changent. Bah, soit ils le font avec la CLI, et nous, on est encore plus sympa parce qu'on leur a fait une IHM. Où ils voient toutes leurs ressources, ils ont un bouton à cliquer en disant bah non, mais là je veux override, je veux que ce soit jusqu'à 23h ou machin. Ils font dans l'IHM et automatiquement ça leur rappelle. Sinon, si je peux me permettre, il y a des code providers qui, quasiment tous, qui permettent d'avoir l'auto-scaling automatique qui se passe sur ton utilisation de CPU par exemple. Mais si tu n'as pas d'activité, il peut descendre jusqu'à 0, faire un wake-up line, c'est-à-dire dès que tu as une requête qui arrive, il va remonter. Si tu as 400 millions de requêtes qui arrivent, il va t'en popper 100. Donc, s'il y en a une, il va en popper 1 et quand il appuie, il fait 0. En fait, ça, il y a la majorité des cloud providers qui te le permettent, avec toujours l'énorme warning, c'est que quand il en pop 150, il t'en facture 150. Ouais. Si c'est aussi la limite. S'il pop des infras qui sont facturés au mois, même si c'est 150 pendant 10 minutes, il va facturer 150. Mais en tout cas, il y a des cloud providers qui permettent de faire ça pour toi. Ouais, mais là, le truc, c'est que par contre, il te le fait à l'échelle globale, quoi. Là, nous, enfin, là, avec. Ouais, mais à notre boule, là, tu le fais au namespace, quoi. Mais oui, enfin. Ça dépend du besoin. Je pense que pour de la prod, c'est mieux d'être sur l'autoscaling type là. Pour du dev, là, au moins, c'est que tu as la granularité plus fine. Parce que là, nous, on l'a fait au niveau du namespace global, mais on pourrait le faire au niveau des pods. C'est-à-dire que bah, certains pods, je veux qu'ils tournent tout le temps parce que j'ai des batches de nuit, de tests ou machin, et que mes IHM, je peux les couper la nuit, tu peux. Là, nous, on fait sur le namespace pour montrer qu'on peut tout le faire. Et puis, tu peux très bien me dire, le namespace, par défaut, j'éteins tout la nuit, sauf, et surcharger au niveau du pod, dire, bah, sauf lui. Donc, du coup, il est... C'est un bon système de surcharge. Oui, on peut vraiment aller hyper fin. Et du coup, là, c'est ce que je viens de faire. Du coup, là, ce que j'ai fait, la ligne que j'ai passée en loose day, là, c'est juste que j'ai supprimé la notation. Donc, j'aurais pu la supprimer ou la modifier.
et changer les heures. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que il a interprété, il a fait ah bah ok, il y a plus le, c'est plus le même scheduling qu'il y a sur le pod. Donc en fait, je le restore. Donc là, on voit qu'il fait le chemin inverse, donc il passe de 0 à 1. Donc il remonte nos pods. Donc c'est même très pratique. Après, inversement, c'est que ça diminue la charge. Donc c'est là où c'est quand même bien d'avoir de l'auto-scaling derrière, parce que lui, il ne va pas éteindre les nœuds. Donc vous pouvez très bien tout éteindre vos pods, mais si vous avez provenu sans nœuds, les nœuds, ils tournent quand même. Donc c'est là où d'avoir de l'auto-scaling, ou voir s'il y a quand même de l'activité redescendre aussi, c'est bien. Il y a les deux, il y a l'auto-scaling sur les pods pour augmenter le nombre de réplicas, il y a l'auto-scaling sur le cluster pour augmenter le nombre de nœuds. Et du coup, lui, là, on va plutôt jouer sur les pods en se disant que derrière, il y a quand même de l'auto-scaling au niveau du cluster, ce qui fait qu'effectivement, la nuit, on va peut-être avoir un facteur 2 sur le nombre de ressources qu'on a allé provisionner. L'autre truc qui est pas mal aussi que nous, on a configuré, c'est que la nuit, on fait des backups, hein, comme tout le monde. Donc, en fait, du coup, c'est possible d'aller lui planifier, de dire, bah, au fait, et tu te réveilles juste à 1h30, et puis tu te réteins à 2h30, parce que c'est au moment où tu vas faire ton backup. Donc, je peux tout éteindre, et ma base de données, elle se réveille juste 1 heure, et le temps de se faire sauvegarder, et après, elle va se recoucher. Et ça, c'est pas mal, en fait. On n'a pas de chiffres, je crois qu'on n'a pas fait de stats sur les gains qu'on peut avoir, mais en vrai, on ne travaille pas 24 heures sur 24, donc c'est pas mal. Même avec des équipes en Inde qui commencent plus tôt, ou du coup, ça fait des grosses plages horaires. Et après, nous, on avait la crainte de... On utilisait quand même beaucoup, beaucoup de ressources, parce qu'on a à peu près entre 1000 et 2000 projets sur le cluster. Donc du coup, on descend beaucoup la charge à 19h, mais le matin, quand tout le monde arrive entre 8 et 9, ça bombarde. Et on avait peur du temps de uptime, le temps que le cluster remonte tout. Nous, ça, enfin, on a fait des benchmarks et c'est en moins de 10 minutes, on a tout le monde qui est re-up. Donc du coup, vous avez ça sur votre cloud ou sur votre cloud ? Les deux, capitaine. Sur du on-premise, sur du cloud privé, en l'occurrence du Azure. Et de la AWS. Ouais, on essaie de travailler avec des clouders français, mais c'est en cours. On l'a fait, il y a eu un incendie. Allez, parce que... Hein. C'était facile, désolé. Yes. Bon, je crois qu'il est 8h30. Hein, on peut les pitcher, mais du coup, il y a deux parties. C'est sur... Ce qu'on avait prévu de présenter, mais là, bon, vous voyez, vous avez plein de questions, donc tant mieux, c'est mieux que ça soit. On n'a pas fait le TP, mais du coup, on peut aller un peu plus loin avec GitLab sur la partie intégration, c'est-à-dire que GitLab, il va être capable aussi d'aller gérer, de mettre en fait un agent dans le namespace et du coup de contrôler ce qui est déployé ou pas, de récupérer les URL, de créer des environnements, de mettre dans l'IHM un petit lien pour cliquer dessus, pour s'y rendre dessus. Ce qui est très pratique, c'est que du coup, automatiquement, il va pouvoir vous interagir avec le cluster sans faire du kubectl et tout ça. Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est cool. Il gérait des environnements, et donc du coup, automatiquement, on va pouvoir lui générer des URL pour que, automatiquement, par branche, par exemple, vous allez déployer quelque chose. Automatiquement, avec tout ce qu'on a mis en place, et bien, vous allez automatiquement avoir votre entrée DNS, votre certificat, tout ça qui est géré, pour que ben, les équipes de test, de dev, et bien, ils vont dans GitLab, ils savent que la version Toto, elle est déployée sur tel environnement, tu es déployé sur l'environnement, donc ça vous facilite grandement la vie pour la gestion de vos environnements et le cycle de vie de vos environnements. Vous pouvez faire des stops, des starts, automatiquement, il drop un fly, il l'a reconstruit pour vous. Donc pareil pour la planète, c'est plutôt cool. Vous avez fait votre branche qui s'appelle Madrange, et ben, du coup, tu vas sur madrangemonsite.com et en fait, du coup, tu as ton appli qui tourne parce qu'il a pris le nom de la branche comme nom site et du coup, c'est facile à y aller, donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas, c'est que ça, c'est qu'on a fait en mode conf aujourd'hui, c'est souvent un truc qu'on fait en mode lab. Et on a mis le lien à la fin, donc si jamais vous voulez faire le lab plus tard, et donc vous pouvez faire les étapes qu'on n'a pas le temps de faire, vous aurez l'occasion de le faire, pas de problème. Il y avait aussi Flux du coup. Et le dernier, c'est Flux. En fait, l'idée, c'est que là, on interagit avec le cluster en lui disant t'applique des ressources, mais en fait, on peut faire du ASCODE. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller committer tous nos fichiers YAML dans un repo. Donc, comme on ne met pas nos secrets dans nos YAML, on a le droit de les committer. Et en fait, Flux ou Argo CD, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je dis ça. C'est le même concept. Et en fait, c'est juste qu'il va y avoir un espèce d'agent qui va tourner, qui va aller pouler le repo Git. On a mis GitLab, mais ça peut être n'importe quel repo. Et en fait, il va juste aller essayer de réconcilier en permanence. Il va regarder, ah bah tiens, dans les sources, il y a marqué quoi ? Ok, je dois faire ça. Du coup, c'est sûr que votre infra est toujours la même telle que vous l'avez décrite. Si.
Et c'est là où c'est rigolo, pour la blague, quand vous mettez du cube dans le scaler et du GitOps, c'est GitOps qui dit bah, moi j'ai besoin de 3 réplicas, et le cube dans le scaler il fait bah, c'est l'heure de faire dodo. Et l'autre il fait bah non, t'as besoin de 3 réplicas, non, c'est dodo. Et donc du coup, il y a des, voilà. On n'a pas trouvé de vraie solution pour le moment sur cette partie. Yes. Ah ouais, du coup, t'es bam bam bam, t'as vraiment envie de manger des pizzas. Quoi. Ah bah ouais, attends, on a dit 20h30, il est 32. Non, juste, donc on a déjà vu, j'espère, pour vous, plein de choses. Encore une fois, c'était quand même très orienté dev et test. Pour faire de la prod, il y a quand même beaucoup plus de précautions à faire que ce qu'on vous a montré. Typiquement, la gestion du airbag, là, on est un peu en mode bourrin, tout le monde a accès à tout dans le cluster, c'est un peu la fête. Sur du cluster de prod évité. Gestion de quota, donc ça c'est plus pour les clusters mutualisés. Nous voilà, on a entre 1000 et 2000 projets sur un même cluster. Si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, en termes de CPU et de RAM, on va avoir des surprises de facturation. Donc nous, on a mis des quotas en place pour s'assurer que par défaut, ils ont le droit à, je ne sais plus, c'est 2 CPU et 8 Go de RAM. Évidemment, ils peuvent demander des dérogations s'ils ont besoin, mais au moins par défaut, on leur dit réfléchissez à ce que vous avez besoin, parce que si on, toujours pareil, hein, si on laisse la boîte de chocolat ouverte, on mange tout le chocolat. Si on n'en met qu'un, on réfléchit avant de prendre la deuxième. Gestion du réseau pour DNS, on en a parlé. Hein. Quand vous pouvez ne pas avoir à le gérer, ne le gérez pas. C'est pour ça que les cubes managés, c'est cool. Souvent, donc ça peut être typiquement géré avec du Kiverno. Hein, c'est attention aux images que vous déployez. Il y en a plein qui sont déployées en route. Donc l'escalation de privilèges, tout ça, on connaît. Donc avec Cube, les nouvelles versions de Cube sont en train de faire des choses autour de ça, mais les nouvelles versions ne le sont pas. Donc contrôlez un peu tout ça aussi. Et on n'a pas parlé de stockage. Même si on dans Cube, on essaye de pas trop en faire, mais ça peut arriver. Donc il y a des outils du type Longhorn, ça, qui sont quand même bien pratiques pour faire du stockage quand vous avez besoin. Mais on a déjà fait 1h30, donc je pense que si on parle de stockage, non, pas ce soir. Voilà, donc ça c'était la recette, en gros, de ce qu'on vous a présenté ce soir. L'ingress pour faciliter l'exposition, pour avoir des URL lisibles, des certificats. Donc c'est l'heure de l'apéro. Merci Tadix d'avoir cru en nous. Yeah. On fait tous des erreurs. Merci Sopra pour les pizzas. Et on laissera. Les slides sont toujours dispo si vous voulez les revoir. Les démos sont sur GitLab si vous voulez essayer. Le blog, vous utilisez, enfin, tous les outils qu'on a présentés, en gros, j'ai fait des articles dessus si vous voulez rentrer un peu plus en détail dessus. Et si vous croyez en nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Et normalement, il y avait un autre. Ah non, ça va revenir, t'inquiète, tac, 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 c'est qu'il manque un lien que j'ai mis à jour juste à... et qui n'y est pas, et ben c'est pas grave, je vous le mets là. k8s.grunty.uk, c'est le TP. Si jamais vous voulez le refaire chez vous, tout ce qu'on a fait là, vous pouvez le faire en suivant les étapes. Et vous avez les étapes démo qu'on a malheureusement pas eu le temps de faire si vous voulez jouer avec GitLab ou avec Flux. Vous avez Dans le TP, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit les credentials pour avoir un token chez nos amis de OVH Cloud pour provisionner un cluster. Et on fournit aussi le token pour faire du Cloudflare. Vous ne l'aurez pas, parce que c'est public. Et que c'est quelque part Cloudflare, en l'occurrence, c'est ma carte bleue. et du coup, en fait, si vous voulez faire, c'est juste qu'il faudra vous trouver un clouder qui vous crée le cluster. Et après, pour le DNS, vous faites comme vous pouvez. Cloudflare, en vrai, en free, ils font le truc. C'est juste qu'il faut avoir un nom de domaine. Mais ça se fait. En moins un autre, il faut avoir un nom de domaine. Ouais. Et c'est rarement... Et en UK, ils sont moins chers. Voilà, merci. Comme il nous reste un petit peu de temps, je le fais à chaque fois, ça là. Vous avez des questions du coup,